Juan Manuel Chavarin a terminé le tournage de son film documentaire en invitant des ouvriers mexicains à prendre part à un barbecue typiquement québécois. Le cinéaste représente la région de l'Estrie dans le cadre du concours La course des régions. Ce sont des Mexicains qui travaillent dans les sapins de Noël dans la région de l'Estrie. Puis, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui je trouve important de faire, de montrer leur travail. Avec le tournage que je suis en train de faire pour eux, ils se sentent très valorisés d'après moi. Aquí tenemos a Rogelio. Ok. Un saludo. Saludo a mi familia. Fermín está haciendo una hamburguesa. Saluda a la cámara. Aquí estamos preparándonos una hamburguesa. Tout comme ceux qui font l'objet de son film, Manuel Chavarin est originaire du Mexique. Il demeure à Sherbrooke depuis 2 ans et souhaite faire carrière dans le domaine du cinéma. C'est un film en espagnol, donc il faut encore les sous-titrer. Puis c'est pas mal avancé. Je m'identifie comme mexicaine avec ces gens parce que on est loin de la famille, parce qu'on travaille toujours pour une meilleure qualité de vie. Puis ce sont des travailleurs qui sont ici juste 8 mois. Puis sauf que vous les voyez pas. Ils font tous les processus pour avoir des beaux sapins de Noël. Ils commencent avec à mettre les semis, ils les coupent, ils les emballent. Que c'est tout le processus de vie d'un sapin. Donc, c'est les Mexicains, travailleurs, saisonniers, qui font qu'on a des beaux sapins de Noël à Sherbrooke. Oui, à Sherbrooke. Je suis très fier de participer à la course des régions. C'est un peu gênant de participer parce que dans un moment donné, on a toute l'attention de tout le monde. Le film de Manuel Chavarin sera projeté en grande primeur en octobre au Théâtre Granada lors du dévoilement du gagnant de la course des régions. William Levasseur pour Estrie Plus à Racine.